de nami coronavirus ari Chine ari ha yotima Afrique mi jogi na couleur mangol surtout nami ari ha des régions région Kolda ñaw o kam ko yalti ko men bi o ko hono Allah danna so yimbe be o do ñaw. On nous annonce un virus que même les pays puissants ne parvenaient pas à soigner. Personne n'est épargné face au virus. Nous avons compris que c'était dangereux. Il y a une maladie qui est là, qui a la responsabilité de te lever pour agir. La population de Mene Rafoula s'est rapidement adaptée. La jeunesse et le conseil municipal des enfants étaient un peu le bras actif de la communauté pour lutter contre la COVID-19. On a demandé aux gens de rester chez eux. On allait dans les maisons pour parler en poulard, en serré, en wolof, pour que les gens comprennent le danger que nous vivons et la nécessité de respecter les gestes barrières. Les radios communautaires ont joué un rôle important dans la diffusion organisée de la sensibilisation contre la COVID-19. Il fallait quand même aider la population à identifier la bonne information, c'était très important. Les membres du conseil municipal des enfants étaient les relais. Nous sensibilisons dans différents thèmes, comme par exemple le port du masque. Be arna be ni wad go o maximum fofu yawata fofu de be wando dun dal minimiser après à la fin ha be andidu be adi non continuer be ni himbe be fotande wad minimiser parce que o maladie ko wodu jone il faut kimbe be wada respecter jamanu coronavirus be golli me yehi akil gol maxije. Quand on trouvait des gens qui n'avaient pas de masque, la mairie donnait des masques, on redistribuait. Nami dum ko on sammi ndarimi galle fo galle mbimi be mbad sabunde e sodorde mudunde e maski. On a senti le besoin d'aider la communauté à travers la fabrication de l'eau de javel et du savon en masse. On a produit 383 bouteilles. C'est des solutions collectives qu'ils essayent de trouver. Ça nous rend fiers parce que ça montre qu'ils ont réellement compris qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de tout un chacun. À Medina Erafoula, nous avons eu la chance d'avoir Tostan comme partenaire. Tostan a rédigé des brochures qui expliquent clairement comment le virus peut contaminer la personne et comment faire pour lutter contre cette pandémie. Cela a permis de nous donner des outils qui nous permettent d'assurer la sensibilisation et la mobilisation sociale. Parce que quand vous êtes bien informé, vous pouvez vous protéger. Ngel defte no walli la ngel ngel joli yejuude ngel walli la be heba sikke be mi halne be hol kono hebu be sikke ben simi do hollu de be nun hadisa ji dinga be heba pellita le yi koko hebi passe be andi nami windi. Tostan aussi est venu nous doter un matériel d'hygiène et tout ce qui peut nous aider dans le cadre de lutte contre la COVID-19. La collectivité territoriale a renforcé son budget, on a réaménagé notre budget pour maintenant accompagner, acheter beaucoup de riz pour qu'il n'y ait plus de difficultés au niveau de la ville. Ils ont la chance d'être accompagnés par un maire qui met l'intérêt des populations au devant de la scène. Kalidou Sy est un pur produit de Tostan. Il était le coordinateur national de Tostan Sénégal. Sa communauté avait besoin de lui. Ils l'ont élu maire. L'approche communautaire de Tostan surtout nous a inspirés. C'est un modèle qui fait des communautés, les acteurs de leur propre développement, qui fait de sorte que toutes les initiatives qui sont entreprises pour aboutir à un changement de comportement sont entreprises par les communautés elles-mêmes. Programme Tostan, il y a des mots, surtout Sengo Labal et Jokere Enda. Dignité, net de faux heba, ni magoum. Jolie, Harry, mi hebe no problème, halogo le public. Kudu jangini la e halogo le public, sa ando tingo. Et en tout cas, il y a deux droits et comportement moindre et aussi respecte le cas en tout cas engagé dans le cas de la coare. Quand on a dit nous y allons, nous devons y aller mais il faut calmer nous. Si nous ne garantons pas notre temps. Renforcement de capacités au niveau communautaire via Tostan nous a facilité le travail. La population a pris la lutte en main. Ils aident indirectement le secteur de la santé à mener de façon efficace ses activités. Tostan ari mene men jangi labal tay minen dum do wona ko men janginte no coronavirus rene. Tostan nous avait déjà mis dans le bain avant l'apparition du COVID-19. Tostan avait mis les graines en tout cas de cette autonomisation là de l'individu au sein de la communauté de Mene Rafoula depuis des années. Ces graines-là ont germé et ont mûri aujourd'hui.
La COVID-19 nous a appris à travailler la main dans la main, à se protéger, à respecter les autres, mais aussi à protéger les plus vulnérables. Pour affaire corona, mesure jidi han. Si tu as une nyaw, ok, la manon ta mesure han, oyara hedula. Kola baltan, wa ram danu den la angal, he maskui jidi. Kolom ta wa ram danu de coronavirus. Tundu fa wa li gori dum, he di maskui jidi. Si him bebe ndeni dum he koe mu yentan, tundu eneng aduna ofap, en bawa dadde o coronavirus. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de nous-mêmes, mais fiers aussi de Tostan parce qu'on est en train d'influencer les autres et les inspirer au respect des droits humains, les inspirer à l'abandon des violences basées sur le genre, les inspirer à la protection des personnes les plus vulnérables. Ça a commencé à faire des étincelles positives. Nous espérons que ça puisse rayonner au niveau national et international.